les blancs, c'est vous. C'est toute insulte. Ils touchent ton pas. Si vous voulez passer par les questions, je vais être divin. Je suis alors. Nous ne sommes pas tous des. Vous avez peur, vous avez regardé. Ma soeur, tu es sortie d'indignant. Vous croyez qu'on avait peur de. Je suis sortie par les. Vous avez tant fait. Vous avez tant insulté. Les Camerounais sont sortis de Camerounais. Vous croyez que c'était la peur. Je n'ai peur de personne. J'ai les Camerounais qui t'ont pas de ta page. Je suis quoi? Je suis parmi pas. Je vous avais dit qu'il y a pas de trucs. Sans hésitation. Il y a pas de trucs. Oh, Gabo, c'est parmi pas moi. Jusqu'à demain. Le président de Wesse, c'est que vous avez là. Il y a pas de président. Vos présidents là, je me mouche sur leur narine. Il y a un seul président dans le continent. C'est le père international. Ouais, mais j'étais un peu au courant que la femme c'était en direct. Ouais, mimi. Pardon, je ne prends pas les gens pour les commentaires. Hein. On écoute les gens. Lolo n'a rien, pardon. Lolo n'a rien. Laissez la femme là s'agiter. Lolo n'a rien, s'il vous plaît. Les autorités n'écoutent pas vos conneries là, s'il vous plaît. Il n'y a plus que ça. Lolo n'a aucun problème. Elle veut vous faire parler. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien. Calmez-vous. Je n'ai que ma zone. Elle veut vous faire parler. Et qui est ma zone? Parlez pas. Ce sont les femmes qui sont. Elle veut se faire voir, elle veut la visibilité. Après, elle n'aura plus rien. Après, vous désabonnez, Pierre. Ce sont les hommes qui sont contents de m'attendre. Il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Flore, fais-moi se comprendre. Tu sais que ce n'est pas ce qu'ils écrivent là. On ne peut pas aller loin parce qu'on a mangé ensemble. Mmh. Et quel qu'en soit l'âme-là, on se comprend. Ce n'est pas une question de peur. C'est un respect mutuel. Coucou Zara, coucou Marie, c'est coucou Daniel. Elle est comme ça. Coucou Blanche. Coucou Blanche. Encore venu dire ce soir au Camerounais la vérité. Coucou. Pourquoi tu es sorti? Mamie Soko, ah, elle embrouille les gens, dis donc. Elle, dis mais ouais, tu me fais me lancer le direct. Ouais, elle n'a rien à dire, dis donc. Girl, si on va en cellule, elle n'a rien à dire, dis donc. Moi-même, j'étais parti. Patel, je dirais merci, s'il vous plaît. Quand je vous je me tais. Ceux qui sont intelligents ont compris. Ah, ont compris quoi? Ont compris quoi? Tu ne dis rien de bon, dis-donc. Ta sortie n'avait pas lieu d'être. Coucou Marie-Noël, coucou Zara. Qui s'excuse de sa coucou mamie, c'est quoi? Non, ne mets pas long aujourd'hui, Emma, il est 21. Il y a deux qualités de femme. Il y a deux qualités de pleurs. Donc la pitié, la compassion, la souffrance, c'est d'un côté, c'est quand ça vous arrange. Ah, elle ne dit rien de bon, s'il vous plaît, laissez-la. À tout prix, tu viens de commande. Est-ce que vous m'avez vu? J'ai craché qui sur les directs. Tout ce que j'ai eu à parler de sur les directs, c'était mon problème personnel. Et l'autre, c'est le problème. Ils ont dormi chez moi, ils ont mangé chez moi. Soit je dormais chez eux, je mangeais chez eux. Oui. Coucou, Goutna Ben, ma sister. Allez, lui dis qu'elle me porte plainte. Gabat. Goutna Ben, Dolce Tinga. Vous savez, il a menti. Je vous ai dit que tout le lot va bien. Et ouais, vous n'avez pas vu Nadej. Il est dit des gens. Ouais, vous aussi. Et dit la vérité. Vous faites semblant. Je n'ai jamais menti. Vous l'avez vu chez Nadej, s'il vous plaît. L'eau va bien. Je dis. L'eau va bien. Je n'ai jamais menti. L'eau va bien. Tout ce qu'elle raconte là, personne n'écoute ça. Et j'ai raconté avec tact. L'eau a commenté chez Nadej, vous avez vu. Maman Peter, ouais. L'eau va bien. Je dis que tout ce que je suis venu, c'était mon problème. Le direct, c'est tout. Elle s'embrouille pour rien. Je n'avais pas pris le problème de quelqu'un. Elle ne parle plus des juges. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas avocat. Elle est dans le soco. C'est le soco. Je n'étais pas venu prendre le problème d'une personne. Écoutons le soco. Michael Jackson. SMS. Où on est parti prendre la... Même Marie-Sandra. Que je me suis permise de parler son problème avec Jaguar. Ah. C'est parce que j'avais les preuves. Les SMS. Maintenant, où on est parti prendre l'argent, J'avais ça en main. Les messages vocaux. Où Jaguar disait que non, calme-toi, je vais. J'avais les preuves. Je ne viens pas sur la toile parler de ce qui ne me concerne pas. Et je ne prends pas les femmes pour venir essayer. C'est l'autre qui est le moins. Je vais vous traiter maintenant. Parce que je ne prends pas les soins des gens pour venir mettre sur la toile. Vous allez éviter Lolo maintenant. Je ne me querelle pas avec tout le monde. Mais on meurt. Vous m'insultez tous les jours. Tiana, l'enfant d'amour. Vous me mettez sur vos murs, vous m'insultez. Là, vous m'avez pris. Coucou, il s'en dit la faute. Où est mon problème? La vérité, ça ne me concerne pas. Pas le boulot, on entend. Ce que vous dites là-bas, c'est pour vous.
Est-ce que ça chauffe? Il est bon, le vide, Flore. Vous êtes ça à qui vous parlez quoi? Coucou Daniel, coucou Marima. Je ne connais pas de ministre au Cameroun. Je ne connais pas de commissaire. Coucou, nous-mêmes, on ne connaît personne. Coucou Adèle. Mon père était. Mon grand-père était. Moi et mon père. Ils sont décédés. Pareil. Je suis orpheline. Oh, je suis une citoyenne camerounaise. Je suis une féministe. Coucou, je suis une femme qui encourage les femmes. Coucou Karima. Les plus vulnérables. Coucou Marie-Noël. J'ai vu cette petite fille. Elle était vulnérable. Ah, dis donc, elle était lancée à la verdict populaire. Je te partage même seulement pour te mépriser. J'ai pris son affaire comme j'avais pris pour Marie Sandra. Qui était avec toi quand on a mangé ton argent de réunion. Mais ça paraît passer comme le gombo. Bah! Partageons les dirais, ma soeur. Si elle est je me suis mise en cause de ça. Défendu. Vous aussi. Si elle est je suis sûre devant les Camerounais. Aujourd'hui, la Fidèle n'a pas eu ses 10 000 euros. Si maintenant elle dit un mot, elle est façon, on aura enregistré. Ce n'est pas au faux. Quand j'ai vu que ce n'était pas pour moi, parle parce que je ne cherche pas les dossiers, Antiana, parce que je ne suis pas là pour incriminer, acculer, brutaliser les Camerounais, je me suis retirée. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un arrangement en famille. La réunion de village, c'était déclenchée. Je le dirai, s'il vous plaît, mes qu'est-ce que Amourou, qui n'est pas haineuse et qui n'est pas là pour enfoncer ses sœurs, ou les salir, ou les mépriser, a fait? J'ai retiré mes filles. Le sang dit la force. Et après, elle ne fait que dire. Elle ne peut pourquoi rien dire. Pourquoi vous jacassez? Parle comme... Donc je dois demander l'autorisation pour venir parler. Parle comme des... Vous jacassez matin, midi, soir, après-midi. Sur tous les nuits. Que vous salissez tous le Cameroun. Je suis honorable. Je suis une princesse écarne. Je n'ai jamais sali le Cameroun. Ça cuit. Flore, tu as eu. C'est du Flore maintenant. Hein. Ouais. Je soutiens les femmes. De tout le monde demande les étoiles, les riches de Facebook. Je suis la blogueuse qui donne, qui porte une perruque comme ça. Une fan a écrit que Porsche Cayenne, tu as payé où? Je lui ai écrit inbox et t'envoie. Abîme tes. Le chocolat, le goût, c'est d'être. Que une de mes sœurs voit une chaussure au pied. Elle me dit que je veux ta chaussure là. Je dis que ne bouge pas. Adresse. Mais tu étais... Je suis celle-là qui va au taf, qui a un paquet de vernis de rouge à l'aide de main. Bon, ça, je ne calcule plus. Qui vient en direct dit que j'ai eu ça. Mais nous, on veut voir les escaliers. Elle me dit que 15, 25 personnes, je m'en vais à la poste, j'envoie à leur adresse. Elles sont en direct. Elles sont où? On veut les escaliers, ma. Ouais. Je n'ai rien à prouver sur Facebook. Le jour que vous avez vu mon immeuble, c'est parce que j'ai parlé à notre frère Cyclone. Vous le savez. C'est ce jour que je voulais montrer. Même le truc. Angassi, non, je respecte les femmes. Il y a 20 ans. Tchai, vous mentez, dit-on. Non, je respecte les femmes. Mais tu te confies là. Il y a 20 ans. Je m'arrête là. Donc, s'il te plaît, personne ne me dirige dans les réseaux sociaux. Mais de Flore a plus mal perdu. J'aime ma zone. Véronique. Qui est les femmes et les hommes. Qui aime mon discours. Qui encourage leur épouse. Qui dit aux enfants, à ces femmes oui, Karim, que je connais que les rues nous entendent. Ma chérie. Mais on va arriver. Et que dans chaque enfant, il y a un délégué. Je suis celle-là. Qui leur dit qu'il faut signer les cahiers il faut signer les cahiers des enfants qui, pour que les maîtresses comprennent que ces enfants ont un suivi. On signe seulement les cahiers. Qu'il faut faire un effort. Au lieu d'aller vous mettre en direct. Leur donner des étoiles parce que c'est vos personnes. Coucou Mireille. Allez payer une paire de Nike. Coucou Mireille. Pour qu'il ne soit pas complexé à l'école quand son petit camarade Watt ou voilà à la dernière Nike, sa tenue s'est percée. Abimité. Je suis celle-là qui vient leur dire qu'on prendrait sur nos larmes. Que tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Elle vous donne les conseils d'acheter les tennis Nike. Je suis celle-là qui a dit que nous avons des blessures, les mêmes souffrances. Le coach, elle est devenue coach. Mais coach. Quand matin, ces sacrifices que nous faisons en vaut la peine, ma soeur. Je demande l'autorisation de qui pour venir parler. Ouais, on a il y a un problème. Vous sortez, vous gesticulez. Commentez, je vous prends. Viens leur dire la vérité, je te laisse l'occasion. Commentez, je vous prends. De venir leur dire la vérité. Coucou Marie.
Coco, oui. Tali, c'est Tali. Tu penses que tu fais bien ou tu aggraves les choses? Va fist ou den. Non, comme ça, tu te mets ici. Vous, que les autorités sont bêtes, ils sont fous. Je t'ai posé une question. J'ai demandé aux Camerounais. Je vais vous reposer la question calmement. Ton Ereboul, c'est qui? Vous pensez qu'on peut se lever comme ça? Je peux. Vous savez que quand j'ai touché quelque chose, ça veut dire que c'était important. Elle lit quoi même depuis? Quand j'avais les preuves, les tenants et les aboutissements. Hein? J'ai vu. J'étais au Cameroun en janvier. J'ai pris ce dossier. J'ai regardé en voie. Réception. Tu devais avoir 3 millions. On me donne 500 ou 600 000. On me dit, attends, patience. Les montants paraissent. J'ai vu. À 300%, elle lui doit. Vous pensez. Je ne sais pas, elle s'en dit. En venant vous mettre devant les Camerounais et dit qu'on va faire le tapage. Qui a que dit si on l'arrête, il faut qu'elle fasse le direct. Ah, tu laisses les faux profits. Dis-le là. Le camp, les faux profits parlent à ta place. Tais-toi, dis donc. Tu ne dis rien. Dis-leur la vérité. Pourquoi Mimi nous commande? Dis-leur la vérité. Que vérité? Je te laisse la charge de leur dire la vérité. Coucou Luxe. Que tu es parti pour faire tes trucs. Mange, bois, danse. Coucou Nina. Mange tes trucs, fais tes directs si tu veux. Dis-leur la vérité. De quelle vérité il s'agit? Qu'est-ce que je ne peux pas faire parce que je connais la loi, les institutions. Ah, tu ne connais, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Coucou Lydie, il faut que. J'ai plus une parole. Déplacé en bas avec mon gouvernement, même quand je me suis indignée. Il n'y a rien à dire, reste tranquille, dis donc, il n'y a rien à dire. J'ai déjà insulté une autorité. Elle a insulté. Avec jamais. Donc vous êtes trop fort. Boum Kena, il a divagé. Vous êtes tellement fort, ça vous appartient. J'ai dit, même si c'est moi, corrigez-nous. Mais je n'ai pas de relation. Si vous avez vu, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, vous les Camerounais. Vous savez, j'ai confirmé la Femaya. Je n'aime pas faire ça. C'est pour ça que je lui ai dit que non, le socos que coup. Si c'était elle qui avait ça, c'est que la terre, c'est s'il y a les trucs que si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Dis quand même, coucou Rosa. Il y a les trucs que si je me mets là, je vous dis, je coucou vous Florian. Jure. Vous allez dire que un Porsche quand même, c'est vrai. Je ne suis pas là, camarade. Je m'arrête là. Coucou Nathalie. Ça! Quel est le truc que j'ai fait? Qu'est-ce que j'étais à ma place? Facebook devait exploser. Abimité, par exemple, je vois que c'est bon à toi jusqu'à. La plaie, quel est bon à toi, on laisse comme ça. La même Baramo me dit qu'Abimité, que Porsche Cayenne laisse comme ça. Mais c'est dépassé. Vous pensez que le. Vous êtes en train d'insulter les institutions du Cameroun? Je suis dépassé, le gouvernement? Excusez-moi, les autorités, je suis dépassé, Noël. Les juges? Parce que qui vous a dit qu'une caméra peut faire quelque chose? Honorine, je suis dépassé. Vous n'avez pas compris que la bêtise est collective. Ils sont là, ils insultent, ils vous motivent, ils écrivent. Mais l'échec est individuel. Mm-hmm. Vous êtes seule. Elle est seule. Est-ce qu'elle a appelé quelqu'un? Elle est seule. Ma soeur, ancienne amie, est-ce qu'elle dit la vérité. Je te laisse la charge. Dis quoi? Dis. Ne viens pas faire comme si tu veux tirer sur moi. Parce que c'est comme ça que tu possèdes. Il commence à m'insulter. Il m'insulte tous. Mais ça ne me dérange pas. On te donne l'autorisation. Dis. Ça me donne. Dis. J'aime quand c'est compliqué. Je n'aime pas quand c'est facile. Mais on vous a fait quoi, non? Que... Depuis que Clarisse Enga parle, vous êtes sortis d'indigné. Vous êtes sortis faire quoi? Attends, Barano a écrit que quoi là? Vous savez que j'aime celui-là. C'est maintenant je pense que je m'en vais en deuxième femme là-bas. Hein. C'est sa femme est trop chaud. Mm-hmm. Les femmes de Bengsi, vous dites que quand on était au pays, les femmes de Bengsi venaient nous mentir. Voici la qualité là ici. J'ai dit. Jesus. Je te donne le tchaka, ma soeur. J'ai dit. Oh. Tu es fort dans le féminin. Dis la vérité au Camerounais. Je vois les essais vélés. Que 200 000 est devenu 10 millions. Mm-hmm. Donc vous pensez qu'on peut passer de 200 000 à 10 millions? Oui, on peut. Les femmes. Comment, même quand vous n'êtes pas là à l'école? Les femmes peuvent. Dis-nous comment tu es parti de 200 000 à 10 millions. Dis-nous. Même quand vous n'êtes pas là à l'école. Je prends la calculatrice. 20 gélules pour 10 millions. Non, Barano. Faites-moi ça. Faites-moi 10 millions divisé par 20. Non, Barano. Ne faites pas Jesus. Ça. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes soeurs. Franchement, vous savez que je ne suis pas haineuse. Vous savez que je ne suis pas une personne. Il va entrer dans son direct pour qu'elle me lave. Qui a une profonde haine. Attendez, je vais lire.
S'il m'est arrivé à répondre en German, long, long, qui arrive à la cheville. Il dit que la vidéo vient d'arriver. Balancez la vidéo. Balancez la vidéo, on voit. J'avais ça. Ce sont mes esclaves, tous ceux qui parlent de moi. Ils portent mon sac. Je ne peux pas les prononcer. Moi, je ne suis pas leur camarade. Quelle tendance qui va se passer? Coucou la Rosita, ma pique. Je ne suis pas heureuse à danser, à dire youpi, non. Coucou Nathalie. Mais la même façon qu'on a avec Nathalie et Soma. Vous étiez mal. Coucou Clotilde. C'est la même façon que je suis venue réclamer pour Clarisse et Yenga. Bimte. Parle petit. Parle petit, ma soeur. Vous ne pensez pas que ce jeune Camerounais a une souffrance énorme et que c'est une femme brave qui mérite l'encouragement des femmes. D'elle est plus brave que nous. Nous, on ne dort pas. Vous ne pensez pas que ce jeune femme Camerounais, qui est notre petite soeur, qui a eu appelé son gourou pour lui dire pardon, c'est l'exemple. Envoie-moi 250 000. Tu dois payer les parents, les enfants, on les met dehors. On l'a insulté. Ça va, ma big la Rosita, coucou. Vous n'avez pas la compassion pour elle? Vous avez la compassion quand ça vous arrange? Lolo est où, non, ma soeur? Dis-nous. Vous êtes mal quand ça vous arrange? Ha! C'est quand c'est votre couloir que vous plaidez? Lolo vous a fait quoi? Nous, les Camerounais, nous sommes sortis plaider pour vous parce qu'on était fous. Ce n'est pas une femme camerounaise. Cordelina. En plus qu'un mari brave, noble, digne. Mamie Soko. Les hommes qui veulent laisser la vie pour sauver la population, c'est pas beau. Les hommes en tenue, le corps médical, c'est les plus beaux métiers du monde. Parce qu'ils sauvent des vies. Ha! Oh, la taracou, sur nos hommes en tenue. C'était pas une femme qui a 3 enfants, qui est orpheline de père et de mère. Elle était mineure. Lola, elle a élevé ses frères. Lola vous a fait comme quoi, ses parents. Elle est partie en bon mariage. Ça, je te calcule. Elle a rencontré plus. Un homme. Sur de quoi? Il va défendre son pays. Il perd son bras de joie. Ah. Comme ce n'est pas une yam sœur. Vous avez glissé comme le gombo. Abimité. Le tribalisme, c'est ça. Karine, c'est ma yam sœur. Clarisse, c'est ma yam sœur. Même si elle porte tout. On va faire le tapage. Commencez. Nous, on aime seulement quand vous commencez. Coco Malise. On vous montre que nous, là. On connaît, c'est quand nous commençons, c'est des habits. Vous les qui? Voici les bêtises ici, là, mon direct. Vous les qui? Vrai. Des habits, on voit. On a peur que nos corps rentrent à Oza, à Bambis. Hein? Donc, ce n'est pas à Banekop. Comment? C'est comment, il y a quoi? Il y a les malades qui nous entourent. Qui a peur de qui? Moi, je connais pas. C'est tout, sans dire la forme. On contre-attaque. Oh, les gens n'ont pas compris. Oh, tu me le dis pourquoi? Tu me le dis pourquoi? Arrêtez un peu les filles. Qui a vu sa soeur? Elle peut dire un mot qui glisse, on a enregistré. On sait jamais. Qui a décidé de la soutenir, de l'accompagner, de l'aider. Parce que les salaires au Cameroun sont bas. Nathalie et Soba ici là. Elle n'est pas là le tribalisme. Et aller où je suis allée. Pasteur Mougou ici là. Oui. Parce que l'avocat... J'arrive pas, ma soeur, vous êtes signalée. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Et elle s'est dit 10 millions de fois, mon compte est signalé. Ou comme un commissaire à l'aéroport qui tape un cachet. Ce sont ses compétences. Elle dorme sur nos comptes, elle dorme celui qui balaie la route, il a les compétences de balayer. Même Mémé ne passe pas. Il faut apprendre à donner à César ce qui appartient à César. Cette femme camerounaise n'avait pas ses moyens d'aller s'exprimer seule devant la barre. Colle nous la paix avec ton tribalisme en à deux balles. Elle a dit devant elle, la reine d'Angleterre. Aïe, ça a cuit. Elle avait qui? La plus forte de la toile. Qui lui avait dit que si tu parles, je t'amène sur les réseaux. C'est comment? Nathalie est là-bas. Vraiment, tu n'as rien à dire d'édifiant. Alors reste tranquille. Tu te fais voir pour rien. On m'a les commentaires. Tu insultes tout le monde. Tout le monde parle de tout le monde. Toi-même, tu avais insulté. Elle a l'accent bami. J'ai réglé mes problèmes personnels. Non, c'est l'accent bami, vrai, vrai. J'ai mis sur mon mur, je l'ai insulté. Elle a l'accent bami. Je ne suis pas venu prendre un homme qui vient exprimer les problèmes de sa femme à la maison. Je ne suis pas venu prendre une femme qui vient raconter son histoire. Je suis sortie parler de mes problèmes. Maman, lise, laissez là-bas. Le lave parle de quoi maintenant? Parce que tous les gens avec qui j'ai parlé d'eux. Clotilde. Vous comprenez la partie là? C'est comme ma famille. C'est ma famille. Ça vous fait mal. Prononce le nom de Flon Voix. Est-ce que les abeilles te demandent ici? Allez lui dire qu'elle me porte plainte. Elle te gère. Vous n'avez pas fait quoi? Tu es sa camarade. Vous n'avez pas fait quoi?
C'est ma soeur, je l'insultais. On mangeait ensemble. On faisait tout ensemble. Elle t'a zappé, Divine, elle t'a zappé. Vous, vous les avez insultés, c'était votre soeur. Coucou Florian. C'était votre famille. Et ta famille, où tu es bas d'un cop. Vous les avez tous, vous avez mis par terre. Vous les avez pressés. Mémé est là, mais ça ne passe pas. Mémé est là. Public. On a signalé le compte de Mémé, ça ne passe pas. Je vous ai demandé qu'il y a Tiana Pierre, il y a Marol Chamba, il y a Elvis Kemayou, il y a. Pourquoi vous n'avez jamais amené un dans vos affaires? Toujours eux. Elles sont venues vous soutenir. Ouais, quand la mère de la fille s'écoute, c'est fait comment au Seigneur? Ouais. J'ai pitié de sa maman. En fait, vous êtes toujours dans l'extravagance. Ouais, c'est dans l'exagération. Il n'y a pas de retenue avec vous. Ça sort. Wow, 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 wow. Les trucs qu'on ne doit même pas entendre. Coucou Lily. Vous comme bonjour. Coucou comment Rebecca. Tu as mangé? Tu vas bien? Pour vous, c'est le feu. Erika, tu es la sœur de Kamto. Hey. Tu es la sœur du président Kamto, même village. Je vous promets sur mes enfants. J'avais mon premier combat. J'avais mon premier défi. Maintenant, si le nom de Tiana Pierre, tout ça. Je vais lancer le deuxième défi. Vous savez... Tu as gagné le premier défi. Le virtuel où je suis assise là. Tu as gagné le premier défi. Je parle. C'est le virtuel. La réalité, quand on sort de là. Seigneur. Trop parlais-tu. Bon matin, Gabi. Bon matin, Rosalie. Qui est intouchable selon la loi? Qui? Personne. Au continent? Le pays de Papa Paul? Qui? Parce que tu as 10 millions de followers. Coucou. Nous, on a même tardé. On tarde même. Nous, nous sommes en train de tarder parce que nos épouses en Côte d'Ivoire, ils ont commencé ça il y a 2 ans. Et ça marche comme ça. Est-ce qu'on est venu se plaindre quand vous insultez? Ne touchez pas les institutions. Elle n'a jamais dit qu'elle a insulté qui? On se cache, non? C'est moi qui insultais. Les vidéos qui sont sur mon mur, c'est moi. Nous avons grandi en... Je vous ai dit sur les réseaux. Bonsoir Rosalie, merci de partager mon direct, les filles. Quand je dis mangeuse de porc, mangeuse de sauce jaune, mangeuse de banane, ça ne concerne aucune vraie fille de l'Ouest. Mmh. Ça concerne les poubelles. Mmh. La honte de l'Afrique. Mmh. Et la poubelle de l'Europe. Et pourquoi tu appelles Tiana Pierre? Tiana Pierre aussi, c'est une poubelle. On signale mon compte, partageons les filles. Je lance les dents. Tiana Pierre, c'est une poubelle. Tu le cites pourquoi? Tu es tribaliste, tu es frustrée en fait. Elle n'est même pas tribaliste, elle est frustrée. Elle a honte de ses origines. Elle a honte de ses origines. Vous connaissez mon histoire? Ah, tu vas parler de ça sur Meta Obligé. Vous connaissez les enfants que j'ai dans ma maison? Tu vas parler de ton histoire sur Meta Obligé. Vous avez trop mal? Tu vas parler de ça, ouais. Elle se justifie déjà. Gaël. C'est vous qui sentez les femmes camerounaises dans les maisons. Wow, 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 matin, midi, soir. Vous sortez. Vous créez des trucs que vous appelez Bani Power. Les vidéos sont sur mon mur. Je vais faire le remember. Et le remember brutal. Ne pleurez pas encore. C'est là. On a grandi un. Hein. Et puis quoi? Et puis rien. Va écrire ça là-bas. Abîme-té. Espèce de porte. Abîme-té vers rouge. Va écrire là-bas. Une petite zone. Qui a peur de vous? Elle a l'accent Bami, un vrai voix Noël. Vous écrivez plus que qui? Elle a l'accent Bami. On se tombe, on se met à l'écran, vous regardez paix. Vous pensez que c'est vraiment la peur. Que c'est quoi, on ne peut pas parler. Ouais, il fallait qu'on la laisse à la verdict populaire. C'est quand vous décidez. Vous parlez de ce qui vous arrange. On doit parler de ce qui vous arrange. On a réclamé pour vous. La terre entière est sortie. Tout le monde pleurait. Ah, laisse Flore de l'Italie. Que non, il faut remettre. Remettez, remettez. Pour elle, non, on doit se taire. On a signalé Mimi. C'est comment? Trop de force, ma big la rosita. Regarde, dites-moi, je me tais, je ferme ma caméra. Non, ferme. Ça fait trois mois, vous m'avez pas vu. Je rentre encore dormi. Non, rentre, veuve. Y a quoi? Tu sais rien. Y a quoi? Les personnes qui n'ont pas de couloir, sans sens, elles se disent de tout et de rien. Demain, tu les vois. Moi, quelqu'un qui est insulté, je dis que jusqu'à ce qu'on se connaissait d'abord. Mon sang, c'est mon sang. Ça peut faire n'importe comment, c'est mon sang. On se connaît d'où? On vient du même secteur. Est-ce qu'on peut faire les mêmes milieux? Adi, je ne suis pas dans votre truc là. Quand vous partez, vous voulez. Je ne fais pas ça. Un, je n'ai pas le temps. Deux, ce n'est pas pour moi.
Est-ce qu'il faut qu'on vienne alors maintenant se gâter, parler vrai, vrai, s'asseoir, parler, les vrais qui ont le cerveau pour comprendre, comprennent. Ma chérie, le bluff, je ne fais pas. Les gelus, ma soeur, pas des gelus, ma. Pardon. J'étais une bluffeuse. Pas des gelus, ma. Je vous ferai des directs partout et je vous montrerai. Mais tu es terriblement signalé, hein, mémé. Que j'ai ça, je ferai partout. Non, je ne l'ai jamais fait. Tu as la une fois, je l'ai fait parce qu'il fallait que je parle. Quand on a dit qu'on voulait voler l'immeuble, c'est ça qui m'a fait sortir parler du mien. Parce qu'on est venu dire que oui, vous avez vu comment vous voulez encercler l'immeuble. C'est comme ça qu'elle dit que quoi? La boîte allumette. Chez moi, c'est pas la boîte d'allumettes. Eh bien, c'est comment? C'est quoi? Qui a peur de qui? Il a dit que tu ne parles plus de son immeuble. Tu n'as pas entendu. Maintenant, c'est vous qui nous dites comment on va marcher. Quand il y a un problème juridique, il ne faut pas sortir, vous agiter, vous vous agitez trop, vous venez parler. Vous avez mal parce que je remonte sur la surface. Oui. Il fallait qu'on laisse couler comme le beurre. Quand vous remontez pour vous tous les jours, qui parle? Combien d'arrestations il y a eu ici? C'était dehors que vous avez fait que voir. C'était le feu. Donc on doit se taire. Son accent, Bami me c'est plaît. Quand vous décidez qu'on parle, qu'on doit se taire. Non, pourquoi vous venez parler? C'est Clarisse Enga qui parle. C'est pas Oshoka, hein? Je l'ai rencontrée dans les réseaux parce qu'elle était abandonnée à elle-même. On a parlé de ça dans les réseaux. C'est moi qui parle de ça dans les réseaux. Mais ma paix sur WhatsApp, alors. L'homme qui était censé arriver, elle a lancé le défi partout qu'elle arrive. Elle est arrivée, je me devrais de revenir dans ces mêmes réseaux pour dire que bienvenue, elle est arrivée. C'est quoi le problème? Il fallait que je me taise. Je demande la permission à qui? Cravate. Je dirais le flot la déstabilise. Insultez-moi. Prenez-moi, mettez dans vos mains. Et Lolo, non. Capturez, insultez, lavez, nettoyez, bande d'esclaves, porteuses de sacs. Coucou Bernard Junior, mon bic. Coucou Bernard Junior, mon bic. Ouf, allez avec ça loin. Qui a peur de qui? Qui a peur de qui? Ton accent parce que ce n'était pas votre couloir. Mangeuse de parce que ça ne vous arrangeait pas. Il fallait la laisser à la verdict populaire. On devait se taire parce que la patronne Germaine a mangé son argent, insulté l'enfant d'autrui. Il fallait qu'on se taire. Coucou Carole Priso, mon ami. Elle se prend trop sérieux. Carole se prend trop sérieux. Elle est sucrée. Pourquoi vous n'avez jamais dit ok, on fait un litchi? Coucou Alima. Cette dame a perdu son fonds de commerce. Mais ma on fait un WhatsApp. Litchi et on donne à Clarisse Yinga. On appelle, on fait une entente. On parle avec elle, on lui dit que d'accord, vraiment ce qui s'est passé. Ok, bon, voilà comment on va faire. On s'entend, prends cette partie. Baisse ton cœur, on va encore t'envoyer un peu. Vous vous mettez en direct. Vous lui dites que voici l'argent, tu n'as pas 5 francs. C'est comment? C'est comment? C'est comment? Il y a quoi? Il y a quoi? Ouais, Sonicha a été vu là-bas. Vous vous mettez en boule que tu n'as pas 5 francs. Sonicha a été vu là-bas. Flo a dérangé aujourd'hui. Flo les a énervés. Une commerçante qui livrait 1000 gélules, 500 gélules, ne peut plus faire 50. D'un ne vend plus. Il faut écraser en poudre. Il faut payer les emballages. Il faut mettre dans les gélules. Il faut empaqueter. Il faut vendre. Donc, et vous applaudissez. L'Angoulède ne vend pas. Pendant que les gens vont sur la lune fêter l'anniversaire, dans les gratte-ciels, ils descendent par terre, ils nous disent qu'ils ont trop d'argent, mais ils ne donnent pas 5 francs. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes trop forte? Y'a? C'est bien. Y'a quoi? C'est le clash entre Stella. Mais, ma soeur, je ne suis plus en mode clash. Je suis en mode relation au public, comme vous savez si bien le faire. Je fais comme vous. Comme vous savez si bien le faire. Relater, relayer. Abîmé. Oh. Attendez, j'allume un peu. Oh. Mais il n'est pas facile. Vous m'empêchez. Beaucoup rentreront sur le Cameroun. Donc, il faut que vous m'avez demandé la permission. Où sont les escaliers? Donc, maman, l'appartement, on ne voit plus les escaliers. Qu'est-ce qu'on m'autorise de venir parler? Ouah, faut dans l'appartement, il n'y a plus les escaliers. Wow, c'est un machin truc, obstruction. Wow, tu n'as pas atteint le direct. Man, bag. Hey! Quand vous faites
Vous avez mis combien de personnes ici en direct qui avaient des problèmes? Les mains sont combien noirs, vous avez mis? L'âge blanc. Regardez, donc, la vérité, combien les chaises Louis XIV. Donc, vous avez harcelé trop. Les chaises Louis XIV ont disparu. Maintenant, je suis combien? Non, disons-nous la vérité. Combien? Combien, je vous demande, vous avez mis? Hein? Dans le livre, vous demandez la permission, là. Que bon, est-ce que j'ai le droit? Comme on est en train de... Ça se passe. Est-ce que j'ai le droit? On t'a remis, on a remis son quoi? On a remis. Ah, mon goudiba, non, tu ne peux pas. Ma chérie, ma soeur, mon ancien quota, toi et moi, on peut se nyonjon. Parce que on n'est jamais allé en jaja. Mais elle, je n'ai jamais parlé de sa mère jusqu'à preuve de contraire. Et je ne le ferai jamais. Elle a pris mon père qui est décédé, elle l'a mis sur son mur. Ça, je ne fais pas comme vous. Quand tu as dit mon père commissaire pisseur, tu as dit commissaire pisseur plus d'une fois. Parce que mon père est né quand mon fils est mort. Tu as dit commissaire pisseur plus d'une mon fois. Mon père est mort quand mon fils est né. Ah, disons, laisse tomber. Et je pleure mon père comme si c'était hier. Tu as dit commissaire pisseur. D'accord. Tu as oublié ça. Ok. Je n'avais rien fait. Je n'avais jamais parlé d'elle. N'importe quoi. Ok. Je ne suis pas contre vos trucs que vous faites là. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que j'ai une team? Est-ce que me belle team, j'ai une team? Tu as dit que tu vas appeler tes soeurs. J'ai toutes les femmes de la toile. Celles qui ont la jojote et qui ont la franchise. La jojote. Que mon discours plaît. Les mamans d'enfants. Celles qui se battent avec leur mari. Celles que c'est compliqué. Ce sont elles qui me suivent. Les vraies femmes. Oh yeah, nous sommes les fausses femmes. Hein? Ce n'est pas les dormeuses dans la maison toute la journée. Mangeuses derrière ça. Ce sont les femmes qui s'occupent d'une famille en Afrique. Je vais mettre ta vidéo ici. Ce sont les femmes qui souffrent pour leurs enfants. Elle est ça. Ce sont les femmes qui se retrouvent seules dans la maison avec des enfants. Ce sont des lionnes. Ce sont eux, ma zone. Les hommes qui sont là, ce sont eux qui disent à leurs femmes, la femme a un bon discours. Gaël, c'est une lionne. Il faut qu'elle soit une lionne. Hélène, c'est une lionne. Ce sont les femmes bosseuses. Les mères d'enfants. Florian, c'est une mère d'enfants. La grande sœur Marthe, c'est une mère d'enfants. Dis-donc, dégage. Toutes les femmes qui commencent, sont les mères d'enfants. On bosse. Je sors me défendre. Ah, tu es la seule qui travaille en bain. Vous fatiguez. Toutes les fois que vous m'avez vu sortir. Tiens, on peut faire ça. Attends, je déconnecte. Allô? Aïe! On nous lave comme ça. Aux histoires de demander des vidéos d'anniversaire, là, franchement. Elle travaille au Minalmi. Ouais, Seigneur, on dit qu'on toujours. Elle veut mettre la vidéo là, écouter. Comment le juge dit que ton téléphone a borné. Non, les gars, mais mente la plupart. Que vous ne travaillez pas. Tu peux l'avoir. On finit par être toi. Avec son français qu'elle fabrique. Vous les appelez comme si vous avez vendu le glacier en fin d'année. Ouais, les filles, ils sont vides. Vous êtes vilaines, hein. Vous êtes vilaine. Vous avez fait le walk ensemble. Il y a quoi? On connaît celle qui a fait le camion. Hein. La pauvre pas. Hein. À un moment, il faut arrêter de dire qu'il commande chez toi. Hein. Il y a des limites. Le camion a été rouge. Insultez-vous entre vous. Malarcez-vous. Est-ce que tu m'as vu me mêler un jour? Ah, est-ce que je me mêle? Ça, c'est le direct. Même quand flore, vous hein, insultez comme des pauvres. Est-ce que je vais. Je ne me mêle pas. Les appels, c'est le direct. Je regarde seulement. Si je vais écrire un petit commentaire, j'écris mon commentaire. Abimité. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Vous avez les un enfant. Nous qui avons les trois. Qu'est-ce que vous avez dit en France? Trois enfants. Pour qu'un soit au sommet. Ce qu'il faut faire, suivre. Tu es rentré, tu es où? Au confin cinéma. Des trucs avec eux. À manger. Mais la maison, parce que les enfants de la France, ils ont toujours des problèmes. Tu payes la maison, tu fais tout. Ce sont eux qui ont les problèmes plus que tout le monde. Tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il faut être là pour eux. Non, non, le Bengis, il ne fallait pas ici. Non, c'est comment? Il ne fallait pas venir parler. Ça. Ma soeur, je te laisse encore la charge de venir faire le direct, pardon, et de leur dire
la vérité. D'accord, chérie? Viens là dire la vérité. Hey, elle a mis la cigarette, abîme tes fumes. Alors, ça... La justice que tu parles là, oui, ils existent. Ils ont un dossier en main. Ils ont vérifié. Elle a fait sa convocation, comme tu dis. Mais avant de prendre sa convocation, ils avaient un dossier en main. Les gens sont modernes. Vous pensez que tu peux te lever aujourd'hui pour au commissariat? Tu racontes du boucher, on convoque même la personne. Quand elle prend, ça n'a pas de... Il regarde, ça n'a pas de... C'est sans suite. Il y a le minimum, même quand on dit que casse, il y a le minimum. Hein, Guylaine? La vérité, c'est quoi? Guylaine, j'ai plus. Ma soeur, la vérité, c'est quoi? Ça ne me regarde pas. Guylaine a dit quoi? Guylaine est déjà. Je lui dis seulement que, comme elle est venue dire que non, elle va très bien, on va prendre le téléphone pour faire le tapage, que s'il y a un truc, fais le direct. Mets-toi en direct, fais le direct. Quand elle vient vous dire la vérité, ce n'est pas moi de vous dire la vérité. Abimité. Le jour passant, c'est vous deux. Ce n'est pas à moi de vous dire la vérité. Qu'elle vient vous dire. Parce ceux qui ont une chose ont compris. Famille, je vous souhaite une bonne nuit. On danse encore un peu major, bien c'est bon comme ça. Je m'en vais préparer. J'ai fait le sangha pour moi. Et les mounes là ne chopent pas. Ça veut dire qu'il faut qu'elle m'aille pâte avec la crème fraîche, un peu de carbonara. Non, quand tu as fait, il fait où, mané? C'est trop fort. Ah, tu as compris, hein? Ok. Donc, ce n'est pas moi. Et je ne jubile non plus. Je ne danse pas. Quelqu'un soit ce qui va se passer par rapport à sa convocation. Je ne jubile pas. Je ne danse non, pas. Non, j'ai appris une chose sur Meta. Et cette jeune c'était pas mon monde. Vous m'appelez qui a son mari, qui a perdu son bras en plus, a besoin de cet argent pour relancer son business. Non, c'était pas mon monde. Parce qu'on l'a rassuré. Ne t'inquiète pas, on voit. Non, on paye beaucoup, on voit. Comme je n'ai pas pu envoyer le tout, ne t'inquiète pas, je vais envoyer. Ouais. Comme je viens là, je t'amène même d'abord 3 millions. Quand on arrive, la petite vient, elle a déjà dit au fournisseur que demain je viens, je vais commander tel montant, je vais prendre les gélules de comme ça pour pas. Parce qu'il y avait l'argent. Ils ne donnent même pas la virgule. Même pas le un tiers. Ouais, Abim, c'est sa femme, ne mange pas le sang, il mange seulement les cornichons. Ouais. Quand ça m'a parlé, je vais appeler papa Fodja qui vient témoigner. Parce qu'il était là. Elle va appeler papa. Il a dit que bon, maintenant on paye le loyer à deux. Tu vas en trop. Rimté. Dans le monde. Je veux dire que les choses que vous avez entendues, que mon ouais, choix a compris, ça va se passer parce qu'il est mort. Qu'il a dit que non, maintenant tu payes le loyer parce que tu vas en trop. Les choses des enfants, de l'enfant d'autrui, qui élève trois enfants avec son mari qu'elle soutient. Vous voulez qu'on dorme, on ne dit rien. Parce que ce n'est pas entre vous. Ouais, amour, comment on peut faire ça? Vous faites ça comment? Vous avez deux qualités de cœur. Nous sommes tous des femmes, non? Qu'on a dit quoi? Nous sommes tous des femmes, non? N'est-ce pas séduit pour nous tous? On a les mêmes souffrances à 85%. Ouais, c'est bon. Comment? C'est une femme. Lise, laissez-la. C'est une femme. Et c'est notre petite sœur. Il faut qu'on laisse. Regarde, l'autre m'a écrit, vraiment, tu déçois. Son nom, c'est quoi? Traoré ou bien Tarou? Alima Fride. C'est Banam Malassi. Traoré, je préfère dire Tarou. C'est Banam Malassi. Une minute. Voici une qui écrit. Lolo vendait le paquet de gélules à 95. Voici l'autre qui écrit qu'elle a payé à 100 euros. Il faut qu'on laisse. L'enfant vendait à 20 euros, 20 000. Un petit. Ça fait 30 euros. 200 euros écrit. 10 000 font 15 euros. Écrit elle vendait à 100, 120, c'est écrit. C'est comment? C'est rien. C'est quoi? C'est que vous êtes trop fort? C'est comment? C'est qu'il ne faut pas qu'on parle. Quand je parle, ça fait mal. Elle fume dans la voilà les qui écrit. C'est bizarre. Elle a payé à 100 et à 120. Voilà. Parce que les gélules, c'est ce qu'ils font perdre. C'est ça qui me donne ma ligne. Pourquoi tu ne vends pas alors? La saleté est venue écrire que vraiment tu es grave. Il faut que je laisse. Il faut que je laisse. Parce que c'est ce n'est pas votre gloire. Moi j'ai payé 120. Combien les personnes qui ont écrit là? Combien ça prend seulement? Moi 60 le paquet. Je suis pas là, je te prends. On vendait à 20 000. Elle donnait à 20 000. Moi 60 000. On se lave. Donc les types payaient un paquet pour trois paquets. Ça va passer peur de toi. Bordel. Moi j'ai toujours dit. Idiote. Peur de toi. T'es pris. Je vais te faire la capture pour te prouver que tu avais pris. C'est pas une histoire là.
Attends, capture. Je vais te prouver que tu avais pris. Idiote, tu as peur de toi. Oui. Où prends-moi et te lave. J'ai peur de toi. C'est un prix. Quoi, c'est un mot, vous avez déjà mis quoi, 200, je ne sais pas. C'est un coup. Portez votre ndoutou. Moi, celle-là. Le karma, la poisse. C'est Dieu voit tout. Et quand vous portez vos machins, vous ne savez pas où vous portez ça. Vous ne savez pas pourquoi votre problème ne va. Vous n'allez pas bien. Au Bervier. C'est c'est la femme de quelqu'un, c'est la mère des enfants. Il faut laisser. Tu envoies quelqu'un en banque, tu envoies encore. Tu dis que vraiment, madame, ça fait déjà trop. Elle traumatisait la petite fille. Elle est entrée dans son cerveau. Que non, non, ne demande pas ce que tu attends. Elle faisait à bête pour demander son argent. T'as amoureux, t'envoies la photo pour te prouver qu'il était pris. Parce que je n'arrive pas à prendre à signaler, mais appelle sur WhatsApp. Les femmes de perdre l'eau. Ne prends-moi et te lave. J'ai peur de toi, connasse. Même en face, je casse tes maigres pieds. Tu connais quoi? Diote. Il faut qu'on se taise. Casse tes pieds. Tu veux dire la seule aussi. Je suis née à Kribi. Oh, je suis née à Kribi. Allez faire vos sérieux petites femmes de dehors là. Je suis plus folle que toi. Je t'ai pris ça de papa. Appelle sur le WhatsApp. Je te lave trop. Je suis comme toi. Connasse, c'est bordel de Béville. Quelle est sa caméra? Regarde mon chien comme ça là. Je t'appelle la cotisez. Vous envoyez. Envoyez où? Dites que bon. Pourquoi vous ne dites pas là que, ok, Porsche Cayenne. On lance un outil. Lance on essaie de cotiser pour donner à cette jeune Camerounaise pour reprendre son travail. Elles sont assises avec les vieilles holos comme Tanyam. Quand vous êtes méchants. Elles sont assises avec le holo la prison connasse. Une méchanceté profonde. Tu m'as envie de te bloquer un jour. Ton clash est petit. Et t'es à bloquer un jour. Ton clash est bini. On prend Mimi. Elle lave bien ta bas d'un cop. Mémé, tu es en direct. Oui, rêve. Tu es en direct, Mémé. Allô? Tu es en direct, Mémé. On t'écoute. Ça passe très bien. Ouais. Stella Mugu. Marc Lavlo. Pourquoi tu manques comme ça, là? Pourquoi tu manques? Pourquoi le mensonge sort dans ta bouche comme la diarrhée? Tu le comptes à côté de la fille, là, pour dire qu'on l'encourage pour les genoux. Mais la fille, là, qui a induit cette fille en erreur, c'est l'amour. Quand tu insultes les gens, je dis, c'est l'amour. Quand tu insultes les gens, là, tu dis que les gens sont sales. Gloria, maman, Louise, tu peux te mettre au milieu des gens. Tu peux te mettre au milieu des gens, t'es là, Mougou. Tu peux. Mais tu as la peau fripée. La peau est à coincée. Le matin, je ne prends plus. Essaye de moitié un peu, t'es là, Mougou, on voit. Tu veux que la personne qui va tenter sera ton prochain combat. C'est là, Mougou, si tu as des cornes sous ta tête, prends-moi pour faire ton prochain combat. On se voit à Paris. Tu veux t'éplucher. Parce que ta peau, là, on peut t'éplucher comme la banane. Tu veux l'éplucher. Tu vas voir une photo, dis donc. Marc Pointy, tu enseignes. Mais là, c'est Camerounais tranquille. Tu n'as aucune relation au Cameroun. Je dis bien, c'est là. Tu n'as aucune relation au Cameroun. Et Lola n'a rien fait. Ce sont les preuves qui vont parler. Les preuves qui vont parler. Arrête de gesticuler. Tu dis que Nadège va venir dire la vérité. Que le nom, quoi? Le nom arrive. Tu ne la vois pas se promener dans les directs. Tu viens prêcher le faux pour avoir le vrai. Toi-même, tu vas nous dire. C'est toi qui es venu avec le problème là sur Facebook. Mais tu as dit que le nom était convoqué aujourd'hui, non? Qu'elle a défié les autorités. Mais on ne te dit donc pas qu'il était convoqué aujourd'hui. On ne te dit pas ce qui s'est passé. Hein? Elle en cellule, tu prêches le faux pour voir le vrai. Tu es tellement moche. Une femme comme ça qui fait le mauvais maquillage, mais qui sent. T'es là, mon goût, tu sens mauvais, tu n'as plus de peau. L'ondian, ça a gâté ta mélanine, tu n'as plus de peau. Merde, regarde-moi une petite chose. Tu peux parler devant Lolo, mais Lolo va couvrir le dessus de ta tête, tu vas encore devenir coûte. On va couper ta tête là comme ça, tu vas rentrer dedans. Mais tu vas l'éplucher. D'abord, moi, je ne suis pas moi caché à Paris.
Moi, je ne suis pas caché à Paris. Si tu veux, prends-moi pour faire ton prochain combat. Si tu vois que Lolo t'a dépassé, tu veux que le poteau, tu cherches sur qui tu vas t'accrocher, prends-moi pour faire ton prochain combat. Regarde la plus sale et la plus dégueulasse de Facebook. Tu le dis dans ta tête, voilà une partie d'IF. Tu le mets dans les avec les étudiants, voient. Regarde-moi une nerveuse, une vendeuse de Facebook. Une voleuse qui a les preuves. Ma photo. Maintenant, tu peux les dire que tu viens d'Angola connaître. La seule voleuse camerounaise qui a les preuves en France. Et elle fume dans la maison. On t'a bouffé de ton Elle fume dans la maison. Tu n'as pas honte. Tu es voleuse. Tu es menti, tu es pour épater les gens. Maman, qui m'a dit qu'on garde tes joies? Pourquoi le menteur est comme toi là? Vous venez mentir sur Facebook pour chercher les hommes. Je te dis, hein? Même un homme te drague pour Facebook te voir en vrai, il va fuir. Tu dis que t'es là, Mougou. Tu es quoi? Pourquoi t'es dans le cas, t'es où c'est là, Mougou? Voleuse, c'est la seule voleuse qui est sortie dans Google. Tu dis que tu sais ce qui sera ton prochain combat. Prends-moi un peu pour faire ton prochain combat. Tu me vois un peu en route, tu me regardes mal. Il va cogner le dessus de ta tête là, tu vas te raccourcir plus que ça. Les gens qui ont Aïcha Kamoise dépasse en taille, pointu 35. Madame, dis, j'étais bien à l'arrêt pour ici là, tu attendais une de tes amies qui ne veut pas citer son nom. Moi, c'était la chaussure seconde main. Tu n'as pas honte. Maman, tu es là toujours avec les vieilles perruques sur la tête, tu es comme une grand-mère. La peau ne prend plus le maquillage. Ou quoi? C'est là où vous dites un peu le maquillage, on voit ta peau. Ta peau est pointillée, tu es quoi, ma? Tu n'as même pas honte. Les graines de riz sont vertes, toute ta peau, juste dans les yeux. Tu es sur Facebook maintenant pour chercher qui va te draguer. Maman, tu n'as même pas la maison. Où est-ce qu'on est plus, maman? Tu vois que ta mère, peux-tu attirer ma voiture de maison pour me venir mentir? Où est-ce qu'on est plus de la maison? On t'a expulsé dans la maison avec le jacuzzi. C'est là. Le jacuzzi est où? Menteuse. Voleuse. Regarde-moi une trafiquante de chèques. Une voleuse. Javelo. Tu es debout, tu ne ressembles à rien. Mais tu es sur Facebook, tu nuis aux gens. Je dis que, prochain combat. Si tu peux. Tu penses que tu as écouté les gens. Maintenant, tu as dit que Lolo était convoqué aujourd'hui. Toi, viens nous dire ce qui s'est passé là-bas. Elle en suit. Maintenant, tu viens lancer le direct, tu manges, tu tournes comme le mauvais esprit. Avec ta grosse tête. Tu as le temps, je vous dis, hein. La peau que tu as sur la tête, là, ça donne trop du volume à ta tête. Comme l'oiseau. Tu peux mettre une grosse perruque là pour faire quoi? Tu peux mettre une perruque à ta taille. Tu mets une perruque qui est grosse, ça donne du volume à ta tête. Alors que ta vraie tête, tu as la tête comme l'oiseau. Il faut que tu te sens pas une grosse tête comme celle qu'on voit en vidéo là. Avec la peau pointillée. Voleuse. C'est là, beaucoup voler. Je suis tout de suite mon mur. Je suis tout de suite voleuse. Je viens avec le journal. Je viens avec ton article. La seule camerounaise qui a volé justement l'article. Ma couteau, non pointine sur la scène. Vous pensez souvent que vous avez la gueule ou bien que. C'est là, vous, mais tu n'as rien. Tu n'as même aucune relation au Cameroun, c'est là, beaucoup. Je dis bien aucune. Tu as une bande de merde. Quelle personnalité? Tu as vu les belles couteaux au Cameroun, là? Je dis. Donc, nous avons laissé les belles couteaux au Cameroun, là, pour venir prendre une laisse, une mienton comme toi, comme toi, comme toi. Ouais, mais tu te dis, tu peux me faire ta place. Mais dis donc, tu es là, tu veux mentir. C'est là, Mougou, tu n'es rien. Même le bail, tu n'as plus, dis donc. Même la maison, tu n'as plus. Dis donc. Voilà une riche. Tu viens ici devant les gens que tu as 40 ans. Tu n'as pas honte. Mais elle n'a pas dit qu'elle a 40 ans. Mais elle a dit qu'elle entre dans 40 ans. Elle entre. Elle n'a pas dit qu'elle a 40 ans. Elle entre déjà. Maman, tu n'as pas honte, maman. Hey. Seigneur, mais t'as. Les gens de l'école disent que tu as 49 ans, sonnant claquant. Mais elle dit 49 ans. Mais tu manques ton âge pour quoi? Ma bique, ça ne passe pas. Mais elle dit que ses enfants ne mangent pas. Une
une laide chose, maman. Tu ne ressembles à rien. Prends le prochain combat. Prends-moi pour faire ton prochain combat. Si tu peux. Si tu peux, tu as dit que n'importe qui va faire n'importe quoi, tu vas voir la personne en route. Prends-moi pour en faire ton prochain combat. Tu me vois en route. D'abord, moi, je ne suis même pas caché à Paris. Tu me vois en route, tu t'arrêtes. Il va éplucher ta peau, là. Il va t'aider à refaire les tatouages. Regarde-moi une femme qui est tatouée jusqu'à l'anus. Tu tatoues tout ton corps. Pourquoi? Pourquoi tout ton corps est tatoué? Ah, hein? Ton corps est tatoué parce que tu casses les verges. Tu es grosse pour avoir... 40 ans, trouve trop sur Internet. Même on n'a pas vu de manger. Le mauvais maquillage, le mauvais mouchoui. Tu n'as même pas honte. Et la position comme ça, on se voit encore avec le caribou, maman. Tu te demandes le caribou, est périmé. Il y a les femmes, tu ne peux pas... Tu as la gamme chez Karimou. Karimou. Tu prends le caribou, tu te vois la veste, tu prends le caribou. C'est ce que tu dormes avec les chaussettes. Tu as les gens de la peau, les gens qui dorment avec les chaussettes. Tu dors avec les chaussettes pour après avoir mis le caribou partout. Une soigne. Le corps est tapé jusqu'à la nuit. Tu es sur Facebook, tu déranges les gens. C'est le mouvement. Tu te fâches pas ce que tu veux. Rêve tout à l'heure, parce que j'ai écouté comme un mental, là, ça m'a énervé tout okay, à l'heure. Ok, mémé, ok, à toutes. Coucou, ma bique. Allô? Oui, pique ma bique, c'est comment? Oui. Ça va. En fait, je veux parler des prix qu'elle donnait. Que les gens étaient en train d'écrire sur son compte par rapport au prix. Mm-hmm. Je voudrais donc lui demander, Madame coucou. Stella, coucou Jeanne Zobo, est-ce que Clarisse payait le déplacement de Lolo? Le travail que Lolo faisait, aller déposer les choses, les colis à la poste, les expédier. Mais allez le retour que Lolo faisait. Mais plutôt de produits qu'elle forçait pour aller déposer. Est-ce que Clarisse payait tous ses déplacements? Parce que quand vous devez mettre que moi j'ai payé à 100 euros, moi j'ai payé à 95 euros. Pensez aussi au travail et au salaire de Lolo. Est-ce que Clarisse a payé Lolo? Si Clarisse a payé Lolo, qu'elle nous montre le salaire qu'elle a donné à Lolo. Qu'elle nous montre le salaire. Si elle a payé Lolo, Madame Amoubou, c'est là. Comme t'as donné là, tu ne veux pas réfléchir avec ton français bracata. Qui t'a même donné le BTS que tu dis que tu as le BTS? Ouais? Pourquoi vous fatiguez les gens sur la toile? Vous avez posé plein, vous fermez vos gueules. Et tu attends. Non, ça fait le direct que t'as pas le nom est valable en cellule. Vous dites qu'on a pris son passe. Mais fermez vos gueules et vous voyez comment. Elle va rester en prison. Coucou, ma grand-sœur Valérie. Oh, ma grand-sœur, heute, j'ai retenu jusqu'à la tête. Je vais retenir tout le monde, God's I don't. On ferme sa gueule. Lolo ne devait pas travailler gratuitement. J'ai des gars, c'est pas de moi. Elle aurait même pu donner ça même à 200 euros. Et elle envoie que 25 ou 20 euros à 2000. C'est tout. À Paris. C'est tout. Vous avez compris? C'est tout. Le téléphone, la recharge, tout ce que tu veux. La connexion, là, qui payait ça? Exactement. Clarisse avait payé la connexion, là. Exactement. Il faut qu'on commence. Vous savez, ça ne sert pas à rien de l'insulter. Il faut juste mettre c'est la face à ses responsabilités. Elle dit des choses et vous lui sortez tant, tant, tant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'illettrés qui sont dans son direct. Mais illettrés comme moi, ils ne sont pas illettrés, c'est juste la haine. Tout le monde sait qu'elle n'a pas raison. Et pour la mettre face à ses responsabilités, c'est devant les autorités compétentes. Nous, ici, là, c'est le bracata. On la lave, on se lave. Oui, quand elle dit banane malassé, nous, on lave. Quand elle dit que les folles, nous aussi, on lave. C'est tout. Les autorités, c'est là. Ils savent qu'elle n'a pas raison. Comment tu as posé plainte, tu ne fermes pas ta gueule. Dès que le loi arrive au Cameroun, vous venez faire le bruit. Elle était là sur la toile, vous n'avez pas parlé. Hein. Elle était là sur la toile, vous n'avez pas parlé. Dès que vous la voyez, vous attendez seulement qu'elle est au Cameroun, vous commencez votre babada.
Le Cameroun là vous appartient. Cacharé, j'ai pas compris. Est-ce que le Cameroun vous appartient? Ah non. Ah non. Hein? Tu prends les gelules, tu prends les gelules, tu dois convaincre les clients d'acheter la caprice. Je peux pas faire ça. Moi, c'est une bracata que tu fais là. Et n'oublie pas Stella. Tu as pactisé avec un terroriste. Tu as pactisé avec un terroriste et enlève le nom de la première dame d'Antibes. Je te dis. Parce que tu as pactisé Nia, le fou de Belgique, c'est un terroriste. Je te dis. Il est considéré comme terroriste parce qu'il peut plus mettre ses pieds au Cameroun pour le moment. Et tu partises avec lui. Tu te dis. Et tu dis, tu appelles la première dame. Carrément. Moi-même, on va te mettre dans la liste des terroristes. Parce que tu partises avec celui qui a insulté le président de la République. Il a demandé à ses enfants d'insulter. C'est terroriste. Voilà. Toi, tu pratiques avec le diable. Carrément. Tu viens te vanter. Tu penses qu'en pratiquant avec le diable, tu vas faire quoi, nous? Quelqu'un qui a insulté la première dame, dénigré la première dame, sali les autorités, déshabillé notre ambassade. Il a déshabillé l'ambassade du Cameroun. Et tu le prends dans ton direct. Tu le prends dans ton direct. Tu dis que tu vas aller en mariage chez lui. Tu prends sa parole pour content. Un homme qui insulte la première dame, il ose prononcer le nom des autorités dans son direct. Mais madame, tu as un problème. Il prend ses enfants, il dit insulté, dit comme ça, il y a ceci. Et tu prends cet individu dans ton direct. Et toi, tu oses appeler la première dame dans tes bêtises. Exactement, Kachara. Ta gueule. Il faut la fermer. Tu n'es pas stratège, tu aurais dû prendre quelqu'un d'autre, pas lui. Pas lui. Tu ne peux pas parler au nom des femmes camerounaises. Un homme qui est sûr. Tu n'es pas invité à parler au nom des femmes camerounaises. Une voleuse ne parle pas. Tu es une voleuse. Tu ne peux pas parler au nom des femmes camerounaises. Tu nous as soumis. Une femme qui a le casier judiciaire, tu viens parler. Tu parles quoi pour quoi? Jusqu'à il y a même les gens qui sont connectés là-bas. On lui donne du crédit. On lui donne du crédit à tout et n'importe quoi. Coucou, Mercedes Bala. Non, sur les comme ça qu'on a donné du crédit à la sécurité là. C'est pas possible. C'est la cause des tours que Lolo Kendo croyait à la cause. Lila Rose et quoi? Et tu demandes à Clarisse le bulletin de salaire de Lolo. On veut ça. Quand vous venez compter que elle a vendu les génies la tête, elle a vendu les génies, c'est comme ça. En fait, elle rêve. Je pense que c'est les calculs là que c'est là fait. Puis elle est arrivée à 10 millions. Mais, Seigneur. C'est là qui a donné le 20 là. C'est pas du samba. Merde. Mais la part du samba t'a donné le BTS. Tu n'as même pas honte. Tu viens. Tu fatigues les gens jusqu'à ce que tu dis que tu rentres dans tes 40 ans. Non, mais tu rentres dans les 30 et 40 ans. Mabi, ce que j'ai compris, c'est que le direct d'aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui de cette dame, c'était un droit de réponse à Flore. C'est ce que j'ai compris. C'était un droit de réponse à Flore. Mais Flo ne lui a pas mal parlé. Non, elle n'a rien dit de bon. De méchant. Bah oui. Et là, tout le monde, quand tu as porté plainte, tu laisses, tu attends que les autorités fassent le travail. C'est tout. Parce qu'au Cameroun, on arrête des gens comme on le faisait avant. Oh, ouais, et que l'abus de pouvoir est fini. Oh, ouais, on a vu le président des pantalons percés ici venir pleurer, non? C'est tout. C'est tout. Donc, voilà. Il est venu pleurer ici. Maintenant, c'est lui qui fait l'abus de pouvoir. N'importe quoi. Faut nous laisser tranquille, dis donc. C'est là-bas dormir. Quand tu t'ennuies chez toi, là-bas, tu viens faire les dîners, tu viens nous sortir à Bimte. C'est le seul mot que je connais en bêtise, à Bimte. La sorcellerie. Elle veut que Lolo sorte. Lolo est en cellule. Lolo a été saisi. Lolo ne sort pas. Lolo vous donne. Lolo ne sort pas. Lolo, tu sors. Accepte. On dit que, dites même qu'on a même pris son titre de séjour. On a tout elle pris. Accepte. On accepte. On ne va pas vous faire ce plaisir-là. Même les diables de Kerenga. On a même pris son titre de séjour. Oui, même qu'on a pris. Toi, la blogueuse là qui est venue faire le direct. Ngosa, je prononce ton nom. Ngosa qui a fait le direct en disant que machin. Tu n'as pas dormi en cellule. Tu pleurais là-bas. Dis, que tu es malade. Quand tu ne peux pas dormir ici. Tu parles aussi. Et la tension. Tu parles aussi. J'ai suivi quelqu'un qui a fait le direct sur moi. Il dit que Rêve se réjouissait qu'on a arrêté Ngosa. Elle criait dans le direct. Oh, elle veut bien y. Maman. Maman.
Tu ne sais pas parler Lolo, tu ne sais pas parler ceci, cela. Je me réussis qu'on a arrêté Ngoussa. Oh, oh. Je ne suis pas à la manipulation. Bref, je ne parle même pas de toi. J'ai fait le direct exprès. Il voulait que tu sortes et tu es sorti. Ce que tu as dit, ce qu'il voulait que tu dises, tu as dit. Tu es tombé, c'est tout. Bref, je ne gère pas. Oui, ben, en fait, moi, je voulais parler par rapport aux histoires des prix qu'ils ont donné là. C'était exprès. C'est pourquoi je suis. J'ai prononcé son nom exprès. Okay. C'est pas une je vais continuer à t'expliquer. Ok, ma big, merci beaucoup. Mais bon, c'est ça. Mm-hmm. Merci, ma big. Donc, les filles, vous avez vu, c'est un droit de réponse. Tout ce qu'elles ont dit sur Lolo, acceptons seulement. Restons, on accepte. Tu prends Niat dans ton direct. Tu ne parles plus de gélules. Tu ne parles plus de... Je ne sais pas. Moi, attendons un peu. On va écouter Google. On écoute un peu Google. Et puis on écoute Google. Google dit que... Voilà. Flordia a été très polie avec toi. Elle t'a pas insulté. Hein? Elle t'a pas insulté. Elle a été très polie, très courtoise. Je disais, moi je... Fatigué les gens sur les réseaux sociaux. Où tu es la grande sœur? Où t'es? T'as dit non? Que tu as abandonné ta petite... Ta petite sœur? Elle a eu... Avec les veines... Papier d'identité que tu nous présentes. Écoutons un peu ici. On termine. Écoutons un peu et puis on bonne. Parce que les gars n'ont rien à dire. Dieu au contrôle. Direct en beauté. On va lire. L'interrogatoire. De Stella Wafo. Devant le juge. Hein, ça, c'est pas moi. C'est le journal Union. Tapez sur Google. Je n'invente rien. Je lis ce qui est sur les réseaux sociaux. J'ai le droit de le faire. Je lis ce qui est sur les réseaux sociaux. On demande à Stella Wafo que les papiers d'identité que tu nous présentes là, tu as pris ça où? Elle avait les faux papiers sur elle. Ça où? Elle dit, papiers sur elle. J'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers d'identité que j'utilisais. J'ai suivi. Donc, devant elle. Ça veut dire que quand tu gauchois, tu prends les papiers des gens, tu gauchois, gardez bien vos pièces d'identité. Les filles, quand vous allez dans vos réunions, là, gardez bien vos porte-monnaies. Quelqu'un choisit ta pièce d'identité, elle va choisir avec. Maintenant, on lui demande que tu fais comment. Elle dit que je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas prêté attention quand je mets ça dans mon porte-monnaie. Ah, je vous avais dit. L'avocat semble désemparé. L'avocat était désemparé. L'avocat était dépassé. Il n'avait jamais eu affaire à une mythomane aussi experte. L'avocat était dépassé. On dit que tu as pris les papiers. Elle dit que je n'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers que j'utilisais. Elle a pris un papier, elle a mis dans sa poche. Elle ne savait pas que ce que c'était. Donc, quand elle part au volet, faites attention à vos cartes de séjour. Mm-hmm. Faites attention à vos passeports. Faites attention à vos documents personnels. Quand tu sors en boîte avec ton ami, ta carte de séjour se perd. Ton passeport se perd. Ta carte d'identité te perd. Tu te dis que dans l'école, tu as oublié ton ami qui a le choix. Ce sont les Stella Wafo qui choisissent vos documents. J'ai lu sur Google, hein. Quand vous sortez avec les amis, gardez bien vos porte-monnaies. C'est eux qui choisissent vos documents. C'est avec ça qu'ils aillent opérer. Voilà. On dit qu'en décembre, c'est tout partout. On t'a attrapé dans tel magasin en train de voler. Elle dit non, ce n'était pas moi qui a escroqué en décembre. Le magasin Tinois, le magasin s'appelle Magasin Tinois, tapé T-H-I-2-L-O-I-S. On dit que tu as volé au magasin Tinois en décembre. Elle dit non, au magasin Tinois, je n'étais pas en décembre en France. J'étais en Suisse. Les enquêteurs ont expertisé son téléphone. Il bornait. Et il bornait à Tinois au moment du vol. Ya, Bestella, ya, ma soeur Bangal, ma soeur Bami, tu voles. Les enquêteurs ont expertisé son téléphone et il bornait au moment du vol, c'est-à-dire en décembre, le jour-là, à côté du magasin Tinois. Mais elle dit qu'elle était en Suisse. Là, c'est là où il faut répondre à voix basse.
Oui, j'avais oublié mon téléphone là-bas. Ouais, Seigneur, mais t'as cela du matin. Et puis, bonne nuit, pardon. Non, Seigneur, comment on va faire pour supprimer l'article là? Abîme tes l'article là, c'est la mort. Non, c'est dans le tchat. Non, n'est pas à ton niveau, ma. Ouais, Seigneur, Google, Google. Ouais, faut reprendre en voix basse. Oui, j'avais oublié mon téléphone là-bas. Non, je te donne le tchat. Non, n'est pas à ton niveau, ma. Tu es vendu. Tu es la fille de ninja, vrai, vrai. Tu es la fille de ninja. Je donne le tchaka. Elle dit qu'elle avait oublié son téléphone. Oui, mais... Le jeu... C'est que tu go voler en décembre, non? Non, la fille, elle dit qu'elle avait oublié son téléphone depuis décembre. Ce n'est pas moi, c'est Google. C'est pas moi. Ouais, non, mais t'as la dimension, pardon. Non, tu es faute, ma. Je te donne le respect, mes respects, Stella. Stella, mes respects. Au vol de toi. Stella, mes respects, grande sœur. Je te donne bête référence. Respect. Tu dis que tu as beau bien ton téléphone magasin, tu vois, tu habites là-bas. Christiane, Raïssa, Belen, Belen, elle habite là-bas. Le juge a dépassé, il est dépassé, il dit que. Le juge dit que. Oui, mais votre téléphone, soi-disant, oublié à Tinois. Il bougeait, madame. Votre téléphone bougeait. Elle donnait à quelqu'un, c'est ça? Non, c'est la respect. Tu es mal, j'aimerais que tu gardes mon corps. Non, ouais, Seigneur, non, mais t'as... Ne veux pas accrocher même moi, parce qu'après la fête de l'ossier. Non, maman, révérence, révérence. Parce que, elle, on dit qu'en décembre, tu es au mariage de Tilois. Elle dit que non, elle était en Suisse. Non, je dis que, mais, en Suisse, comment, pourtant, tu bornais à Tilois? Elle dit qu'il avait oublié mon téléphone. Alors, je dis, ah bon, que ton téléphone marche, il bouge, il se déplace. Non, le juge, mais pardon, pardon. Pardon, maman Wafo, c'est pas moi, maman Wafo, ce n'est pas moi. C'est Google. Il ne fait que décrypter. Non, oui, c'est Google. On est ici, là. Je dis que les femmes qui font la réunion des femmes, quoi, là, mettez vos. Attends. On va voler vos cartes. Toutes les femmes qui font la réunion de Stella, mettez le porte-monnaie ici, là. Non, c'est la respect. C'est mal, je te garde mon porte-monnaie ici. Là. Je dis que les femmes qui font la réunion des femmes, quoi, là, mettez vos porte-monnaie. Karine Richaud. Dans ça et vos porte-monnaie. On va voler vos cartes. Toutes les femmes qui font la réunion de Stella, mettez le porte-monnaie ici. Là. Mettez le soutien-gorge, vous cachez. Hein, en buvant, là, tu peux oublier ça. Tant pis pour toi. Mettez ici, vous dansez. Ou alors vous mettez le soutien, cachez vos porte-monnaie. Vous êtes en danger. Après, le juge dit que, mais madame, vous êtes sans emploi, vous touchez 1000 euros d'aide, mon ciel. Hein? Hein? Et on croit que vous... Deux toucher ça. C'est Google, hein? Pour son gardant, on suit par votre soeur. Hein? Le substitut du procureur. Non, mais vous... écoutez. Elle touche 1000 euros. Après, les enfants vivent en Suisse. Écoutez très bien. Après, je prends congé de vous demain. Le juge dit que, mais madame, et je pense, moi, vous êtes sans emploi. Vous touchez 1000 euros d'aide mensuelle. Et on croit que vos enfants sont gardés en Suisse par votre soeur. Carrie, je suis dépassée. Ça chargeait. Ça s'auto-chargeait là-bas. Requiert donc 8 mois de prison avec interdiction de séjourner à Marne.
L'avocat dit que je ne vais pas alourdir votre audience, monsieur le juge. L'avocat est dépassé. En vous racontant du n'importe quoi. Le subjectif. Parce que l'avocat était là dépassé. Que mieux, je ne parle plus. L'avocat est plus dépassé. Fort que moi. Appliquons seulement la sentence. Continuez à vous amuser avec vos porte-monnaies. Continuez à donner vos adresses aux gens. Parce que quand ils volent, mettre vos adresses. Je promets de ne plus voler. Je promets de ne plus voler. C'est ce qu'elle a dit, hein? C'est écrit dans l'article. Je... Aïe, Christiane, l'ivoirienne, elle dit que je promets de ne plus voler. Point final. C'est qu'elle va nous parler. C'est qu'elle a woman. Nadine, type man, type woman, voleuse. Elle dit que je promets, monsieur le juge, de ne plus voler. C'est la fin de mon diète. Donc, si vous voulez retrouver Stella, vous faites ça comme ça, là. Stella Amougou. Tu as tué. On s'affiche. Vol. On réécoute Google pour la dernière fois. Tu as 500. On termine direct en beauté. On va lire l'interrogatoire de Stella Wafo devant le juge. Hein, c'est pas moi, c'est le journal Union. Tapez sur Google, je n'invente rien. Je lis ce qui est sur les réseaux sociaux. J'ai le droit de le faire. Je lis ce qui est sur les réseaux sociaux. On demande à Stella Wafo que les papiers d'identité que tu nous présentes là, tu as pris ça où? Pris ça où? Elle dit, j'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers d'identité que j'utilisais. Devant elle, son avocat semble désemparé. L'avocat était dépassé. Il n'avait jamais eu affaire à une mythomane aussi experte. L'avocat était dépassé. On dit que tu as pris les papiers, on dit que j'ai pas prêté attention au nom qui était sur les papiers que j'utilisais. Elle a pris un papier, elle a mis dans sa poche. Elle ne savait pas que ça qui c'était. Donc elle va te voler. Faites attention à vos cartes de séjour. Bah oui. Faites attention à vos passeports. Faites attention à vos documents personnels. Quand tu sors en boîte avec ton ami, ta carte de séjour se perd, ton passeport se perd, ta carte d'identité te perd. Tu te dis que dans l'école, tu as oublié ton ami qui a choix. Bah oui, quand tu égares ça. Rester là où il faut qu'il choisisse vos documents. Bah oui, tu égares ton passeport, tout ça. Quand vous sortez avec les amis, gardez bien vos porte-monnaie. C'est eux qui choisissent vos documents. C'est avec ça qu'ils aillent. Avant tchao. On dit qu'en décembre, on t'a attrapé dans tel magasin en train de voler. Elle dit non, ce n'était pas moi qui a escroqué en décembre. Le magasin Tinois, le magasin là s'appelle Magasin Tinois, tapez T-H-I-2-L-O-I-S. Arrête. Je dis, tu as volé au magasin Tinois. Et non, au magasin Tinois, je n'étais pas en décembre en France, j'étais en Suisse. Les enquêteurs ont expertisé son téléphone. Et il bornait à Tinois au moment du vol. Ya, Stella, ya, ma soeur Bangal, ma soeur Bami, tu voles. Les enquêteurs ont expérimenté, et il bornait au moment du vol, c'est-à-dire en décembre, le jour-là. Le jour du vol, hein, à l'heure du vol, la bornée. Il était en Suisse. Merde, Seigneur, dis là. C'est la voix, faut au fond, reprend à voix basse. À voix basse, hein. Oui, j'avais oublié mon téléphone là-bas. Tcha! Non, je te donne le tchaka. Non, hey, le ma soeur, ouais. Tu es vendu. tu es la fille de Ninja. Je te donne le tchaka. Elle dit qu'elle avait oublié son téléphone. Oui, mais. Comment on va faire pour enlever la tique là sur Google dans les filles? Comment on va faire pour aller? Mais respect, Google. De donne.
Tino, tu habites là-bas. Christiane, Raïssa, Belen, Belen, elle habite là-bas. Belen, Belen, le juge, moi, le jour, là. Passé, dit que... Christiane, le juge dit que... Moi. Oui, mais votre téléphone, soi-disant, oublié à Tinois. Il bougeait, madame. Votre téléphone bougeait. Et donner à quelqu'un, c'est ça. Non, je te la respecte. Des femmes, quoi, là, mettez vos porte-monnaie en série. Comme ça, et vos porte-monnaie, on va voler vos cartes. Toutes les femmes qui font la réunion de Stella, mettez le porte-monnaie ici, là. Mettez le soutien-gorge, vous cachez. En buvant, là, tu peux oublier ça. Tant pis pour toi. Mettez ici, vous dansez. Ou alors, vous mettez le soutien. Cachez vos porte-monnaie. Vous êtes en danger. Après, le téléphone robot. J'ai dit que Karine, c'est très grave. Vous touchez 1000 euros d'aide mensuelle. Et on croit que vos enfants sont gardés en Suisse par votre soeur. Le substitut du procureur requiert donc 8 mois de prison avec interdiction de séjourner à Mann. L'avocat dit que je ne vais pas alourdir votre audience, monsieur le juge, en vous racontant du n'importe quoi. Parce que l'avocat était à dépasser. Que mieux, je ne parle plus. C'est plus fort que moi. Appliquons seulement la sentence. Continuez à vous amuser avec vos porte-monnaie. Continuez à donner vos adresses aux gens. Parce que quand ils volent, ils mettent vos adresses. Je promets de ne plus voler. Elle a fini avec. Je promets de ne plus voler. Aïe, Christiane, l'ivoirienne, elle dit que je promets de ne plus voler. Je savais qu'il y avait une parole. Elle dit Scana Woman. Tip Woman. Tip Woman. Voleuse. Elle dit que je promets, monsieur le juge, de ne plus voler. C'est la fin de mon direct. Donc, si vous voulez retrouver Stella, vous faites ça comme ça, là. Stella Amougou. Tu as tué. Ça s'affiche. Ça s'affiche. Vol. Tiens. On peut faire ça. La grande sœur, même dans les difficultés qu'elle traverse. Vous avez vu, non? Bon, les filles, c'est ça, c'est sur Google. Vous vous abonnez et vous aurez l'article. C'est sur Google. C'est sur Google. Quand tu tapes Google, tu as Gold, peut-être 13 euros, 15 euros, tu auras l'article. Parce qu'il faut s'abonner. Oh, merci, Flo, Sandrine, la noblesse. Son avocat avait dit qu'il partait aux toilettes. Il a piaque. Mais ça a pu être les vraies femmes de ça. C'est-à-dire, Rosalie, c'est ça. C'est ça qu'on nous insulte, qu'on doit nous défendre quand même. Il faut, parce que ton téléphone, c'est un téléphone robot qui s'est retrouvé en train de s'auto-charger quelque part. Tu vois, non, c'est terrible. Voilà, donc c'est ça. Parce que si on ne retransmet pas son direct, elle peut dire quelque chose qui nous échappe et puis on n'a pas d'éléments. Il faut toujours retransmettre. Pour montrer à l'adversaire que non, tu es en train de tromper l'opinion publique. Tu es en train de tromper. Ça, c'est la naque. C'est la naque. Tu es en train d'arnaquer l'opinion publique. Il faut dire la vérité. C'est le cœur du bandit qui a peur. Oui, oui. Parce que quand tu dis que tu vends les gélules à 20 000 la gélule et que tu dois, la personne te doit 10 millions, on n'a qu'à faire le calcul simple pour trouver le nombre de gélules qui ont été déplacées du Cameroun pour ici. Est-ce que tu as payé ces impôts au Cameroun? Tout ça, ça devient un lourd dossier. Tu as déplacé plus d'un million de gélules du Cameroun à l'Europe. Est-ce que tu as... Ces gélules ont été imposées? Est-ce que ça a été imposé? Est-ce que c'était frauduleux? C'est quitté du Cameroun comment? Ça devait être imposable.
plus d'un million de gélules, ça doit être imposable. Oui, oui. Parce que dans tout ça, il faut réfléchir. Bref, les avocats sont mieux placés. Les hommes de droit sont mieux placés pour argumenter. Pour argumenter. Parce que c'est pas parce que tu portes plainte que c'est ça que la star l'avait chassé derrière elle ou mes gens. Parce que la femme, c'est une... ma grâce, elle me dit, après chaque conseil, son farotel du mien quand elle est Azo, c'est pour ça. L'argent diminue. Stella avait un téléphone beaucoup le robot de Star Wars. Le téléphone s'est retrouvé là-bas le jour du vol. Le jour du vol. On dit, mais comment mon téléphone s'est retrouvé quelque part à Lyon un certain dimanche? Vous savez que j'étais là-bas. Vous voyez, doivent venir insulter les gens, nous appeler les femmes qui mangent le RSA. C'est écrit sur Google que tu touches 1000 euros. Je ne peux pas, 1000 euros ne paye même pas. Mais, c'est-à-dire que mes charges, maman, je vis à, je ne sais pas moi, je suis à 10 minutes, 15 minutes à pied du Luxembourg. Vous imaginez l'immobilier ici? Même le, je ne sais pas moi, tout est excessivement cher. Parce qu'on est entouré de Luxembourgeois. Ça coûte cher. C'est-à-dire que 1000 euros, je vais faire quoi avec 1000 euros le mois? Je vais faire quoi? C'est que je n'aurai rien à manger. Je ne pourrais même pas payer mes factures d'électricité, le téléphone, l'assurance. Une fois, faisais-je.